Terre et Exil est le nom du projet que je propose actuellement. Dans ce projet, je me suis intéressée à une coutume basque en matière d'héritage. C'est-à-dire que dans la culture basque, l'aîné héritait de la terre et les cadets devaient se débrouiller. Et souvent, autrefois, ils partaient comme marins. Donc ça m'a plu, cette idée vraiment de succession imposée et de combat avec la matière. À travers l'exposition, on découvre différents outils. Que des outils en fait, qui servent à retourner et à mettre en forme la terre pour se l'approprier. On retrouve aussi des éléments comme les bottes. Les bottes qui arpentent le territoire et qui se souillent dans le territoire. Voilà. Et donc pour cette exposition, j'ai travaillé avec une terre qui a une particularité, c'est une terre qui ne sèche pas. Donc elle est tout le temps dans un état transitoire, entre deux, comme si elle était encore en état, qu'il pouvait encore se passer quelque chose, qu'il pouvait y avoir encore une transformation. Et ça, ça me plaisait. Les bottes qui arpentent, les bottes qui traversent, qui s'approprient le territoire, celles-ci sont en grès, un grès enfumé. Donc elles ont cette sensation, par la traversée du feu, comme si elles étaient souillées, qu'elles avaient vécu des choses, traversé des choses,
Or, ce qu'elles ont traversé, c'est juste une épreuve plastique, l'épreuve du feu.